C'est solidaire d'abord, et donc ce soir on est quatre autour de la table et on va vous parler de plein de choses. On va vous parler d'ADP parce que à proximité on va parler d'ADP beaucoup, c'est-à-dire cet appel à un référendum. Enfin, on va détailler tout ça. Après, Jean-Louis, tu devais travailler sur un dossier. On en avait parlé déjà la dernière fois sur l'ANSES. Voilà. Et puis Jean-Claude, il était très branché sur le radicalisme américain. En particulier au niveau écologique. Au niveau écologie, voilà. Alors, le premier sujet, c'est au local. On va parler d'ADP parce qu'il y a une date à retenir. Aéroport de Paris, tu veux dire ? Aéroport de Paris. En fait, il faut que vous reteniez ça parce que, donc, il y a la possibilité de demander un référendum par rapport à une privatisation de plein de choses, entre autres Aéroport de Paris. Et donc, à la bobine, cette semaine, tenez-vous bien, donc le 10 octobre, à partir de 19h, mais en fait, on va vraiment commencer qu'à 20h avec des spécialistes qui vont venir nous expliquer un petit peu tout ça, mais à partir de 19h, on va boire l'apéro, on va discuter déjà d'ADP à la bobine. Et donc, Denis, tu peux nous parler un petit peu mieux de comment on fait pour signer, par exemple, qu'est-ce que c'est tout ça, là ? Est-ce que tu peux nous détailler un peu, ADP, c'est quoi ? ADP, c'est Aérodrome de Paris, c'est les trois aéroports de Paris, Paris, Charles de Gaulle, Roissy et Le Bourget. C'est aussi 10 aérodromes et un héliport. C'est impressionnant, c'est immense, c'est 6 500 hectares de terrain, c'est les deux tiers de Paris. Voilà, c'est presque aussi gros que les deux tiers de Paris. Les deux tiers de Paris, c'est impressionnant. C'est tous les commerces qu'il y a là-dedans. Ah oui, oui. Et alors tout ça va être vendu, alors. Voilà. En fait, c'est ça qui est proposé par Macron au départ. L'État ne possède plus, possède, est majoritaire, mais à 50,6% seulement, donc il est que légèrement majoritaire, et il voudrait vendre toutes ses parts. Ils vont vendre ses parts. En fait, là, c'est une frontière qui vend en même temps. Oui. La totale. Oui, parce que c'est quand même 105 millions de passagers par an. Oui. C'est quand même impressionnant, 105 millions de passagers par an. Quand je dis que c'est une frontière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent de pays étrangers et voilà. Soit ils viennent en France, soit ils sont en transit, mais voilà, c'est 105 millions de personnes tous les ans qui passent par ces aéroports. Ouais, d'accord. Alors, en fait, c'est déficitaire, donc si l'État le vend, on suppose que c'est déficitaire. Non, c'est déficitaire. Si c'est déficitaire, personne ne sera intéressé pour l'acheter. Justement, c'est bien le contraire. Donc, en fait, c'est une affaire. Fait du pognon et on vend ce qui nous permet de faire du pognon. Tout bijou de famille, comme le premier. Là. Le précédent, c'est les autoroutes. Le scandale des autoroutes. Oui, c'était nettement moins cher, je présume. 15 milliards. Voilà. 15 milliards, mais en 10 ans, et ça a rapporté 25 milliards. Ouais. Quelle valeur ils attribuent on ne sait pas, parce qu'à mon avis, c'est plus. Hein. Oui, parce que ce n'est pas encore vraiment mis en vente. Le parc immobilier, enfin les terrains, comme tu disais, potentiellement, c'est énorme. Ça représente des sommes colossales. Ah, quoi, oui, c'est quand même 610 millions d'euros par an de bénéfices. Oui, voilà, c'est donc ça. C'est un autre monde encore. Oui, oui, oui. Et donc, il y a une procédure qui a été mise en place par Sarkozy, en fait, qui permet normalement de demander ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. Alors cette procédure-là, elle a été lancée, entre autres, d'abord par pétition, dans un premier temps, il y a des gens qui ont dit non, on n'est pas d'accord pour que vous vendiez à l'aéroport de Paris. Et donc un des experts qui va venir à la bobine le 10, qui s'appelle Coralie Delhomme, elle est à l'origine de justement une pétition pour demander qu'on ne fasse pas ça. Et la deuxième possibilité, après qu'il y ait eu ces pétitions, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits sur ces pétitions pour demander que l'aéroport de Paris ne soit pas vendu, la procédure a été lancée sur un référendum d'initiative partagée.
Et donc là, jeudi, à la bobine, on vient nous expliquer à la fois comment on peut voter et tout ça. Mais on va déjà en parler un petit peu ce soir-là. Comment on peut voter pour demander, parce que c'est pas voter pour s'opposer à l'aéroport de Paris, c'est voter pour demander à ce qu'il y ait un référendum. C'est-à-dire que le peuple puisse avoir son mot à dire par rapport à un truc comme ça. Pour une fois, quoi. Hein, c'est oui, ça, Denis, oui, non? Oui, bien sûr, oui. Alors, toutes les personnes en âge de voter peuvent voter. Il faut qu'ils se présentent sur les... Il faut qu'ils aient leur carte d'identité et leur carte d'électeur, pour bien faire. Parce qu'il faut que ce soit très bien les prénoms. Des fois, les gens ont 2-3 prénoms. Oui. Il faut qu'ils soient... C'est la liste qui est en mairie, quand on va voter, là où on coche après, oui, qui compte. Donc oui, il faut bien savoir c'est les prénoms, parce qu'il y en a qui ont 2-3 prénoms, qui ne sont pas d'origine française, les Portugais qui ont des fois des noms à rallonge. Donc il faut bien avoir ça en tête, oui, il faut bien savoir tous ces noms. Petite anecdote, moi j'ai voté, et quand j'ai mis mon prénom, en fait sur ma carte d'identité, mon deuxième prénom n'est pas libellé de la même manière que sur ma carte d'électeur. Et mon vote n'a été pris en compte que parce que j'ai changé donc le libellé du prénom et j'ai mis ce qui était sur la carte d'électeur. Oui, c'est la carte d'électeur qui prévaut. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pas la carte d'identité. Donc vous avez la possibilité donc de voter par internet en se méfiant justement que ce soit bien validé. Oui. Parce que bon, des fois on ne sait qu'après si c'est validé ou pas. Et puis, ben, à la bobine, hein, venez à la bobine, il y aura tout ce qu'il faut pour voter. Il y aura 3 ou 4 personnes qui seront là, rien que pour ça, pour prendre vos votes. Donc, vous venez avec votre carte d'électeur et votre carte d'identité. Et puis, là, vous pourrez voter. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller aux mairies. Alors, bon, la mairie référente pour nous, c'est Aubenas. Oui. Bon, Aubenas, bon, franchement, ils ne sont pas chaud, ils font le minimum. Ils font le minimum syndical. Voilà, oui, ils font vraiment le minimum. Par contre, vous avez d'autres mairies qui se sont engagées, qui ont demandé à pouvoir voter chez eux. Vous avez, ben, moi je suis de Saint-Julien-du-Cerf, donc Saint-Julien-du-Cerf a fait le nécessaire. Donc, la mairie s'est engagée, donc elle n'était pas obligée de le faire. Hein. Voilà, elle n'était pas obligée, mais il y a d'autres communes, hein, il n'y a pas que Saint-Julien-du-Cerf, hein, il y a d'autres communes, il y en a 4 ou 5 là, dans le bassin d'Aubenas, on va dire, qui ont fait la démarche et que vous pouvez voter, et ils ont le code pour pouvoir voter, faire entrer le vote. Donc, et là, de suite, vous avez la réponse si c'est enregistré. D'accord. Donc, on vote papier, là pour demander un référendum, puisque c'est pas autre chose, hein, pour l'instant. Hein. Et donc, il faut... alors, il y a déjà eu 178 ou 175 députés. Hein, je ne sais plus combien ils étaient. Non, plus que ça. 250 ou 248. 248, voilà. Il fallait qu'il y en ait plus de 178. C'est pas député, c'est parlementaire. Hein. Parlementaire, donc c'est député et sénateur. T'as bien fait de me recadrer. Bon, parlementaire. Et après, une fois que t'as eu le nombre de parlementaires nécessaires, il faut qu'il y ait normalement 4 700 000 votants. Et c'est là que Jean-Claude se gosse, c'est ça, hein? Non, je me gosse pas. C'est-à-dire, moi, je condamne tout à fait la privatisation d'ADP. Hein. C'est une... Comme dit, il vend les bijoux de famille et c'est une atteinte à la souveraineté, étant donné, bon, même si on n'est pas des fans absolus du transport aérien, mais enfin, le transport aérien fait partie de, actuellement en tout cas, en dépit des nombreuses faillites de compagnies aériennes, il fait partie des éléments qui constituent quelque part ce qu'on appelle le facteur de mobilité, même si on peut en discuter largement. Mais, par contre, moi, je pense que arriver à ce nombre-là, avec plus de 4 500 000, c'est, à mon avis, mission impossible. Et c'est pour ça qu'ils ont mis ces chiffres-là. Et par ailleurs... Sarkozy, oui, à l'époque, puisque c'est Sarkozy qui l'a mis en place. Et je pense que, quelque part, ça constitue une espèce de leurre ou d'os à ronger qu'on nous jette pour que les gens ne se mobilisent pas pour autre chose. Alors, il y a une réponse par rapport à ça. Hein. Attends. Alors, Denis, tu voulais rebondir sur ce qu'il dit ou pas? Oui, non, il faut jouer le jeu jusqu'au fond. À fond, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. On a l'opportunité d'avoir ce RIP, d'avoir ADP, parce que derrière, il y a beaucoup de projets derrière.
Il n'y a pas que des pays derrière. Derrière, on propose la Française des Jeux, les barrages, les forêts. Oui. Les... Donc, pourquoi pas Versailles-le-Louvre ? Je veux dire qu'il n'y a plus de limites. Donc là, il faut réagir. C'est... Je suis d'accord pour Versailles-le-Louvre. Hein. Mais en même temps, se battre contre ce projet-là, qui est très identifié, qui est très clair, et qui est manifestement quelque chose où on nous empêche, on nous enlève quelque chose, parce que, évidemment, le fric qui ne rentrera pas dans les caisses de l'État grâce à l'aéroport de Paris, c'est nous qui allons le payer, hein. Ça, c'est-à-dire qu'on aura plus d'impôts, hein, ça c'est clair. Hein. Mais donc, ça veut dire qu'on peut solliciter les gens sur ça et se retrouver à faire un collectif qui peut être très puissant quand même. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr, c'est une réponse à ce que dit Jean-Claude. J'espère me tromper, Là, on pourrait nous mobiliser comme on nous a mobilisés contre le traité constitutionnel, par exemple, voilà. Tu vois. Oui, oui. Et on a pseudo-gagné, on a perdu. En même temps, bon, il y a eu un mouvement, le Gilet jaune, d'une ampleur totalement nouvelle et inédite, qui a mis en avant le RIC. Oui. Et donc là, on va somme toute se mobiliser pour un RIC B, alors qu'est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se mobiliser pour le RIC, vraiment ? Oui, mais... Parce que dans le même temps, bon, j'anticipe, il nous lâche... un pseudo-RIC avec la Convention sur le climat, et je pense qu'il nous amuse. Bon, ouais. Bon, on finit sur le sujet. Denis, tu voulais rajouter encore quelque chose ou... Non, la seule chose, voter. Il faut voter. Le voter, c'est un devoir, c'est une obligation. Il y en a qui sont battus pour le vote. Ouais. Donc là, on a l'opportunité de pouvoir faire valoir quelque chose. En dehors des élections traditionnelles, donc il faut voter. Ouais. Et tu disais, il y a aussi le papier, là, le CERFA. Hein, oui, il y a le CERFA aussi. Donc les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il y a possibilité de le CERFA et de le faire passer aux communes pour qu'ils enregistrent. Pour qu'ils enregistrent, oui. Alors, deuxième sujet dont on voulait parler, c'est l'ANSES. Hein. Jean-Louis, ouais. Tu étais parti un petit peu pour commencer à en parler la semaine dernière, enfin, ouais. Il y a 15 jours, pardon. Et en fait, tu as repris un petit peu tout ça en main pour pouvoir nous en parler un peu mieux ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est l'ANSES d'abord ? L'ANSES, on verra l'ANSES après. Pour l'instant, on va voir l'objet de la menace. Il y a une menace quand même sur la santé humaine. Une menace sur la santé humaine. Sur la santé humaine. Parce que normalement, le problème initial, c'est que l'industrie chimique a trouvé un produit qui inhibe la fonction respiratoire des champignons et des choses comme ça, des champignons, etc. Donc, l'industrie chimique a trouvé ça. Ça lui a... permis de sortir en moins cher les fongicides, ce qui est utilisé en agriculture, en particulier en viticulture. Et donc, ils se sont lancés là-dedans il y a déjà plus de 20 ans. Ouais. Et donc, ça s'est développé. Autrement dit, les fongicides ont changé de formule chimique pour passer dans ce machin qu'on appelle SDHI. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Vas-y, alors, SDH, c'est donc le nom. Alors, je veux dire, si tu veux le nom complet, je te le dirai. Non, mais c'est... c'est une enzyme qui permet aux êtres de respirer. D'accord. Et là, ils ont trouvé un produit qui inhibe cette fonction. Autrement dit, qui empêche les champignons et d'autres êtres, d'ailleurs... de respirer. Alors, et donc, ils crèvent. Tu parlais aussi de vers, c'est-à-dire, c'est pas forcément que des champignons, ça peut être des êtres vivants, enfin, des êtres... Et c'est vendu, ils sont vendus comme fongicides, donc contre les champignons. Champignons de la vigne, champignons de... Ce qui, les maladies, si on peut dire, les maladies champignonesques de certaines plantes. Et donc, ils ont lancé ça, donc il y a longtemps. Le marché a démarré... comme c'est pas possible. C'est facile à épandre, d'ailleurs, aussi, pour les pratiquants. Et donc, on est passé de quelques centaines de millions de chiffres d'affaires à un certain nombre de dizaines de milliards, maintenant, de chiffres d'affaires. Donc, c'est énorme, je veux dire. Comment. C'est déjà en marche, quoi. C'est déjà en marche. C'est déjà utilisé. Il y a 80% des céréales en France qui sont traitées contre les champignons par
C'est SDHI. Donc là, tu parles. C'est des fonds. Ça s'appelle quoi? Des fongicides, ça? Un fongicide, oui. Ouais. Et ça tue les champignons. Parce qu'en même temps, bon, il y a le glyphosate aussi. Enfin, le glyphosate, c'est pour le. C'est pas du tout la même chose, oui. Non, c'est pas du tout la même chose. Voilà. C'est pour stériliser le sol. Là, ce que tu dis, effectivement, il faut savoir quand même que la respiration, c'est-à-dire, c'est le métabolisme interne qui est inhérent à tout le vivant. Oui, exactement. Tous les vivants ont système de respiration qui sont basés à peu près sur les mêmes choses, avec quelques variantes, oui, tout à fait. Avec la photosynthèse, etc. Mais le métabolisme de base utilise ce qu'on appelle la respiration. Et c'est vrai que si on a un truc qui inhibe ce mécanisme fondamental du vivant, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Quoi. Mais alors, il nous explique que ça s'arrête aux êtres de toute petite constitution, enfin les vers, etc. Non. Justement, il y a un certain nombre de scientifiques, du CNRS, de plusieurs organismes comme ça, de scientifiques. Le nommé Rustin, là, est connu, il a un tas de publications à travers le monde, en anglais évidemment, en général. Et il est très connu et très reconnu comme spécialiste de cette chose-là. Ouais. Donc il a vu d'autres scientifiques de l'INRA et autres, et ils sont une dizaine, et ils sont aperçus. Alors ils ont envoyé une alerte à l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc ils devraient nous protéger par rapport à tout ce genre de. Il y a des centaines de chercheurs à l'ANSES, des centaines de chercheurs. Ils ont laissé passer cette boulette. Ils ont autorisé la mise sur le marché de ces SDFI, là, ce nouveau fongicide. Excuse-moi, je t'arrête. Comment c'est possible? Quel mécanisme peut être à l'œuvre pour que des centaines de chercheurs ne nous alertent pas sur un truc qui est leur boulot de base, théoriquement? Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas ces centaines qui ont travaillé sur ce terrain. Voilà. Il y a des laboratoires de cette ANSES qui, effectivement, doivent nous garantir contre des choses dégueulasses qu'on mettrait sur les nourritures et qui n'ont pas fait leur boulot, ou alors qui se sont cantonnés à la vigne ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que c'est comme s'ils avaient des œillères. Oui. Et s'ils avaient été poussés par je ne sais quelle force. Alors, il y a un mécanisme peut-être d'argent sonnant. Ouais, oui, bon, très méchant. Hein. Comme d'habitude. Ouais, parce que, bon, ça paraît délirant quand même. Il y a un marché, et puis il ne faut pas oublier que ces chercheurs, ils sont tantôt, je ne dirais pas chez Monsanto, mais dans certaines recherches chimiques, ils sont partie prenante. Et puis en plus, également, il y a des migrations de ce type-là entre les syndicats. Ouais. Paysans, type, je ne cite pas, Venezuela, quoi. Tu vois, avec des salaires corrects, quoi, je veux dire, assez corrects. Hein. Alors, attends, peut-être, Denis, comme toi, tu as été agriculteur. Tu peux nous expliquer, justement, un petit peu les produits en question qu'on va balancer sur la vigne ou sur d'autres. À quoi ça sert, les distances? Est-ce que c'est efficace, les distances? Est-ce que le lobby de la pétrochimie est de partout. Le lobby de la pétrochimie est à Bruxelles. Le lobby de la pétrochimie est de partout, dans tous les laboratoires. Il ne faut pas se leurrer. C'est connu et reconnu. Il y a l'influence des lobbies à Bruxelles qui donnent les feux verts et qui favorisent plus ou moins un produit. Et tout cela, c'est pas opaque du tout, c'est reconnu et sans souci. Donc après, les produits sont homologués. Après, bon, on peut toujours critiquer l'homologation. Est-ce que c'est assez poussé? Est-ce que c'est assez de recherche, assez de recul avant d'homologuer. Ouais. Après, l'agriculteur, lui, chez lui, il a un produit qu'on lui vend, c'est une bombe à retardement. C'est d'ailleurs, souvent sur les produits, il y a la tête de mort avec les deux tibias. Là. Enfin bon, voilà, c'est dangereux, c'est marqué dangereux. Il y a eu des évolutions énormes là-dedans parce que maintenant, il y a des délais avant récolte qui doivent être respectés normalement, mais voilà, c'est normal. Délai avant récolte, ça veut dire que le produit a complètement disparu ou pas? Non, le produit est dilué. Il est, disons, consommable. Il est théoriquement moins efficace pour nous. Quoi. Voilà. Il est dans les normes. Je vais continuer sur l'ANSES. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que par rapport à d'autres produits, glyphosate, pendant un certain nombre d'années,
sur les boîtes, là, ouais, était marqué que la molécule active disparaissait au bout de 8 jours ou 15 jours. Tu vois, oui. Donc, on achetait, moi j'en ai acheté. J'ai traité les ronces, ça fonctionne bien, mais traité les ronces avec ça. Alors, les gens, les agriculteurs ou non-agriculteurs, ils achètent ça en confiance. C'est écrit avec le nom du laboratoire, etc. Tu vois. Alors, le cas du glyphosate est terrible, je veux dire, tu vois. On s'est fait empinguer. Alors, parce que c'est pas vrai, donc. C'est au pas vrai. Au bout de 15 alors, jours, c'est pas dit. Ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués aux USA d'abord, et puis en France, dans les. Et le tribunal a donné tort aux fabricants. Hein. D'accord. Aux fabricants. Et encore. Donc là, c'était pour rebondir sur ce que disait Denis. Oui, voilà. Et alors, l'ANSES. L'ANSES, donc, a été averti, si on peut dire, par ces scientifiques-là. Bon, ils n'ont pas réagi, rien, rien, etc. Donc, les chercheurs en question, contrairement à leur habitude, et d'habitude, ils publient dans des revues homologuées, etc. Hein, ben là, ils vont dire, c'est trop dangereux pour les autres vivants que les vers de terre, etc. Donc, ils ont fait une tribune dans un certain nombre de canards, dont Libération. Et c'est là que Nicolino, donc celui qui est à la base, si on peut dire, avec Veillerette du mouvement Nous voulons des coquelicots, est tombé sur cet article qui était alarmiste. Donc il a rebondi, il a fait sa propre enquête. Alors, parce qu'on arrive, on arrive à la fin de l'émission et Jean-Claude était venu nous parler, juste, et c'est complètement dans le sujet, hein, du radicalisme qu'on peut avoir aux États-Unis par rapport justement au fait que nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Donc en fait, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette radicalité ? C'est-à-dire, il y a des mouvements en particulier, Deep Green Resistance qui a été fondée aux États-Unis. Le livre est paru en France récemment, hein, donc il a été traduit de l'américain. Et c'est vrai que les thèses... Alors, en fait, c'est des mouvements qui sont proches des mouvances anarchistes, très libertaires anarchistes. Donc leur analyse, c'est que c'est trop tard pour se cantonner à des mouvements non-violents, etc. Donc, il faut des mouvements d'action. D'accord. Alors, moi, j'ai acheté le bouquin pour voir. Hein. Juste un instant. C'est vrai, quelque part. Ils ont raison, quelque part. Depuis 20 ans qu'on s'agite, il ne se passe rien. C'est-à-dire, effectivement, on arrive au bout. Oui. On arrive au bout du bout. Et eux, ils font l'analyse que le système nous propose, par exemple, des collapsologues, genre au Cochet, qu'on a vu d'ailleurs à la télé. Alors, Yves Cochet, oui, qui conforte leur analyse. Et que ces mouvements de collapsologie, à la fois, ne proposent pas d'action concrète, radicale, c'est-à-dire bloquer des sites réellement, comme genre Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est un peu le prototype d'action, ou Bure. Et il dit, il nous amuse. Tous les mecs, genre Cyril Dion, compagnie, le Aurélien Barraud, etc., c'est des gens dont la finalité est d'amuser. Cyril Dion, c'est quand même lui qui est allé négocier avec Macron la fameuse convention climatique. Qui est quand même vraiment de l'amusement. C'est de la société du spectacle. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Enfin, Et donc, il propose, alors, est-ce que ça va être suivi? Je signale quand même qu'en Ardèche, on a eu deux antennes téléphones qui ont été incendiées, et que par ailleurs, on a eu le local des chasseurs à l'Escridé qui a été incendié. Donc derrière, il y a des gens qui ont appliqué ça, pratiquement. J'en sais rien, hein. Oui, mais alors attends, en même temps, le pouvoir, enfin, c'est pas le pouvoir, puisque c'est Ségolène Royal qui réagit par rapport à ça, en disant, parce qu'il y a quand même, au niveau de la désinformation, c'est quand même colossal ce qu'on a en France à l'heure actuelle. Par exemple, il y a eu une occupation d'un centre commercial à Paris, le centre Italie 2, il y avait plus de 1000 personnes, où là, il y avait une convergence entre Extinction et Rébellion, qui sont des radicaux, comme tu dis, hein, quelque part. Les radicaux dont je parle, puisque j'ai vu leur site,
critique cette occupation voilà. d'Italie. Il y avait le collectif Adama, il y avait des gilets jaunes, etc. Donc il y avait une vraie convergence. Attends, je finis juste ce que je disais. Et Ségolène Royal dit, mais il faut les dissoudre ceux-là, parce que c'est des radicaux. Et Denis faisait un rappel sur ce que peut nous balancer Ségolène Royal. Oui, c'était le moment des gilets jaunes, quand les étudiants ont manifesté et que la police les a encerclés, cadenassés et mis à genoux les mains derrière la tête. Et elle avait approuvé en disant que c'était bien, que ça apprenait à vivre. Oui, ça apprend à vivre. Voilà. Alors, tout est dit, là. Alors, oui, fini. Parce que les radicaux, si tu veux, dont je suis un peu le truc sur une page Facebook, ont critiqué cette occupation d'Italie 2 en disant, mon Dieu, dès qu'il y a eu des vitres cassées, ils ont voté la dissolution de l'occupation à 4h30 du matin, ouais. Voilà. Bon, allez, allez, on lâchera rien, hein, on lâchera rien. Et on vote. À bientôt, ciao. Allez, ciao.